Sparkling s'est implanté au Royaume-Uni en octobre 2009, dans le Hampshire, avec une équipe technique sur place. Le choix du Royaume-Uni s'explique par les compétences techniques qui sont disponibles, notamment en matière de développement sur les technologies que nous utilisons. Le Royaume-Uni représente pour nous un potentiel de marché très important du fait de l'avancée de produits financiers sophistiqués comme celui que nous commercialisons. C'est également une plateforme intéressante puisque l'aéroport d'Heathrow est relativement près de l'endroit que nous avons choisi comme base anglaise. Alors notre secteur est porteur au Royaume-Uni puisque le produit que nous commercialisons, qui est en fait le financement de créances fournisseurs, a été institué dans le monde anglo-saxon et notamment en Angleterre il y a quelques années. En Angleterre, on ne dit pas non forcément de manière aussi brutale. Souvent, on fait comprendre que le dossier n'est pas admissible. Il faut intégrer ça. Sinon, les Anglais sont effectivement très tournés vers le business, la création, l'accompagnement des entreprises. Et ça se sent tout de suite dès qu'on y arrive. Pour nous, il a été relativement facile de créer cette filiale en Angleterre. Bon, d'abord parce qu'on connaissait le pays et puis par la concentration un petit peu des étapes administratives qui sont faites pour notamment une entreprise étrangère qui souhaite s'implanter en Angleterre. La procédure est relativement simple, rapide, peu coûteuse. On a pris un cabinet d'avocats pour nous accompagner dans la démarche. Ce n'est pas forcément nécessaire quand on est une petite structure et qu'on veut s'affranchir d'un certain nombre de coûts. UKTI a fourni beaucoup d'informations, notamment beaucoup de contacts locaux en matière de juridique, fiscale, comptable. Donc on arrive déjà avec un package d'informations qui dit comment faire, vers qui se tourner et ensuite quel est l'accompagnement ensuite dont on a besoin, notamment en matière de professionnels sur place qui vont vous aider à travailler.